Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir. Allô? 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 Ah, enfin. Mais qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Mon débit est excellent. Je sais pas ce qui s'est passé. D'accord. Bonjour. Du coup, je disais donc... J'ai eu peur un instant. J'ai pas compris. J'ai pas du tout compris. J'ai pas compris. Ça, c'est parce qu'on joue à Pokémon Colosseum, ça. Mais du coup, ça m'a perturbé. Sur ma bug Twitch, j'ai eu full rollback. J'ai du full rollback. D'accord. Jackie, on va balancer une chronoball, écoute, hein, on est d'accord, la chronoball c'est l'avenir. Chronoball c'est l'avenir. Bon, on continue un petit peu, on essaie d'arriver jusqu'à Raikou quoi. Je sais pas si on aura le temps. Hein. Si on a des bugs en plus, pour nous mettre des bâtons dans les roues, super quoi. Chronoball c'est l'avenir. La chronoball. Chronoball bien billy. C'est moi qui ai besoin d'être protégé. Oh. Oh. Magnifique succune là, cette version. Ça me donne envie de partir pour un long voyage en train. Pourquoi en train? Station. Ah, parce qu'on arrive dans la station. Je vais rejoindre Tech au labo Pokémon Obscur avant que ces gêneurs n'arrivent jusqu'ici. Je fais exprès de dévoiler mes plans pour que le héros de l'histoire arrive à me retrouver. Ha ha ha. Ils m'ont suivi jusqu'ici. Malédiction, je ne peux pas me rendre au laboratoire de recherche tant qu'ils sont sur mes traces. Ah bah voilà. Comment ça? Elle y va ou elle y va pas? Elle a semé le doute dans notre esprit là. Donc attendez. Ah, et des salles à flairer. Une lunette noire. Oh, lunette noire, cool. Capacité qui augmente les types ténèbres, c'est ça? Capacité de type ténèbres. Bon, pour l'instant, j'ai rien qui... Je pourrais les mettre à Noctalie en vrai, mais... Oh, remarque, ouais. Non. Mais il a le multi-ex, je crois. Alors, c'est Sukune qu'il a? Aucune idée. Aucune idée. Vous savez quoi, je vais le voir tout de suite. Le type ténèbres. Merci beaucoup. Donné à... Ah, mais Bobo, il a un truc. Qu'est-ce qu'il a, Bobo? Et tout ce qu'il a, Bobo. Le bracelet macho, ah oui. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc on va lui donner les lunettes noires tout de suite. Voilà. Nous allons sauvegarder. Ici même. Juste après. Ah mais dans le train, en bout, on se déplace. D'accord. Je vois rien, c'est normal. Attendez, mais c'est une blague ou... Ah. Vous êtes si facile à berner. Voyez, la clé pour démarrer ce train est ici. Vous ne pensiez tout de même pas que je vous aurais laissé utiliser ce train tout de même. Bye bye pour de vrai cette fois. Souvenez-vous de moi. Et si on appuie sur le bouton? Impossible de démarrer sur la clé contact. Je n'ai pas la clé du contact. Du coup, il faut lui courir après, c'est ça? On joue au loup glacé. Ok, j'arrive. Une môme fabuleuse. Mais quoi? Drayden a trouvé la clé contact. Elle l'a laissé tomber par terre, mais c'est cool. Bah bravo. Je savais que c'était pas une lumière, mais quand même. Super, bien joué. Très très bien joué. Très très bien joué, pas de fois, c'est le fœtus. What the fuck. J'ai pas rebugué, hein. Non, c'est bon, j'ai cru que j'avais rebugué, quel malheur. Allons-y. La magnifique cinématique.
Là, on sort de là. Ah, bonjour. Ça, c'est horrible quand tu te retournes et que... Elle t'empêche de passer! Laissez-moi! Laisse-moi passer! Ah, yes. Yes! Je passe par là, je passe par là, au secours. Je sais pas ce qui est le plus rapide en vrai. Je sais pas. Je sais pas. Bonjour les amis! Salut Sagaz! Et Vénus était pas censé venir aujourd'hui? J'ai déjà vu vos têtes quelque part. Je sais, la liste noire. Vous êtes Drayden et Giselle. Comment êtes-vous arrivés ici? Ah, c'est pas bon. On peut pas les laisser entrer dans le labo Pokémon obscur aujourd'hui. D'accord. Du coup, ils me laissent rentrer. En rentrer? Ils ont cassé la porte? Mais je peux rentrer quand même. Ah oui, oh bien joué. Pas mal. Ah, prends ça dans les gencives. Vous pourrez jamais nous suivre avec ça. Et tu penses pas qu'on en a fait un peu trop là? C'est un peu tard pour changer les choses. Fichons le camp. Très bien. La clé du labo. Obtiens la clé du labo. Ah, mais du coup la clé du labo, yes. Pourquoi il y avait la clé du labo ici? Quel est le lore qui explique ça? Quel est le lore qui explique ça? Quel est le lore? Le disque H. Oh, le fameux El Famoso disque H. Souvenez-vous. Souvenez-vous la petite boîte Pokéball sur la gauche. Ah, je crois que c'est ça. Hein. Du coup, il faut reprendre le train. Allez, on prend le tram. Hop, j'utilise la clé contact. D'accord, c'est de l'autre côté qu'il faut l'utiliser, c'est bien ce que je pensais. Du coup, c'est dans ce train qui transporte les Pokémon obscurs. On voit qu'il y a des cages. Bzzz. Nous arrivons à la gare... Saint-Nazaire. Touté. Très bien. Disque H, ok. Donc on va remonter les escaliers. Est-ce qu'on peut prendre l'ascenseur? Ce serait formidable. Ah! Attendez. Oh, on peut prendre l'ascenseur! Trop bien! C'est vraiment un jeu du 21e siècle. C'est la ligne 13, je reconnais. Parce qu'il y a aussi des cages de Pokémon obscurs dans ton train. Et du coup, on arrive, ouais. Là, c'est la porte qui a emprunté Vénus au départ. Donc, on va soigner nos Pokémon et vérifier que notre Farfuré est un Pokémon obscur en même temps. Un Pokémon Shiny, pardon. Merci beaucoup. Au revoir. Donc, Farfuré Shiny. Vérifions. Cochignon Shiny, au moins. Il y a le sable doux. Comment ça, pas Shiny? Ok. Farfuré, bon Pokémon. Excellent Pokémon. Du coup, on va au labo, c'est ça? J'ai peur de louper un truc. Le jeu est assez linéaire, ils nous disent ce qu'il faut faire quoi, on se perd quand même assez difficilement. Est-ce que mon Suicune a la conscience quasiment ouverte ou pas du tout encore? Je l'ai quand même pas mal utilisé. Pas du tout, au secours. Ah, à l'aide. Donc le labo Pokémon obscur. Donc en gros là on a descendu l'ascenseur, on a pris le train, on a pris la clé, très bien. Donc là, la clé. Drayden utilise la clé du labo. Incroyable. Heureux! Du coup, comment ça? Va! Tranquille, on a trouvé la clé du labo. Incroyable, n'est-ce pas? C'est quoi ça? On dirait qu'on est dans Star Wars, là. C'est Tatooine. Avec ses lasers et ses décors désertiques. Total soin. Et toi, comment vas-tu? Total soin. Aucune musique à cet endroit, seulement le souffle du vent. Ah,
On voit qu'il y a un objet ici, mais comment on fait pour y aller? Quelle est cette mascarade? Je suis attiré par l'appel de l'objet. Faut faire tout le tour, c'est ça? Tout le tour comme ça. Ok, ok, j'arrive. C'est trop bizarre de jouer à un jeu Pokémon en 3D. C'est trop bizarre. Quand j'y pense, ça fait trop bizarre. En 3D dans... en 3D de l'ancien temps. Évidemment. On peut déplacer un perso et tout. Ok, donc ça c'est ouvert. Il y a deux portes par contre. Le rideau de fer est fermé à clé. Bon, très bien, comme ça. Voilà. Salut, c'est normal que je n'ai pas récupéré mes points de chaîne alors que j'ai eu bon prévision de la moitié shiny. Normalement t'as récupéré les points de chaîne parce que j'ai fini la prédiction et j'ai dit non. Et on n'a pas eu la moitié shiny hier, donc tu as dû te tromper dans le vote. Mais sinon c'est un bug, c'est pas normal. Après tu sais les points de chaîne, ça va, ça vient, ça va très vite. Hein. C'est le bouton qui contrôle hein, le rideau de fer appuyé. Là appuie sur le bouton. J'ai tellement piffé. Je n'ai pas la clé magnétique. Je l'ai pas. Ah. Elle doit être derrière le rideau de fer. En tout cas, si elles sont comme toutes les clés qu'il y a dans ce jeu, on va la trouver par terre derrière un mec. C'est pas grave, je vais en donner que 100. Ah mais t'as dû en avoir une petite partie alors. C'est des points de justice maintenant, faut se mettre à jour. Je les changerai plus, promis. Enfin, je promets pas, mais... Alors... je sauvegarde ici, puisqu'il y a un point de sauvegarde dans le jeu, je vais faire une safe state. Quelle heure il est? Oh, mais déjà! Déjà, on passait sur le Shiny Hunting. On aura quand même un petit peu avancé, bon, pas énormément, mais... Pas énormément... Là, la clé. Non. Bon, on comprend, les Draycon, on comprend totalement, on comprend. Je pense que c'est compréhensible. Même pour quelqu'un qui débarque. D'accord, il y a des couloirs totalement inutiles. Très étrange. Déjà 52k, mais parce que toi t'es un génie du pari, mec. Faut que t'ailles au casino. Ne faites pas ça. Je n'incite personne à jouer à des jeux de ce type. Bonjour, qui êtes-vous? C'est trop injuste. Pourquoi c'est toujours moi qui m'occupe de ce genre de choses? Je dois aussi m'occuper des préparatifs pour le déménagement du laboratoire. Qui êtes-vous? Vous êtes louche, donc vous devez certainement être des intrus. Oh non, moi qui étais curieux. Ma curiosité n'a pas été récompensée, à son juste titre. Au point de la justice. Ce Voltorb. Oh non, c'est juste que le clan des loups de la justice. Je stagne à 200k perso, chaque fois que je regarde le live sur mobile, je ne gagne pas de direct. Ah ouais? Pourtant sur mobile, il faut que tu... Peut-être que sur mobile, tu dois cliquer sur le petit coffre, je sais pas. Petit séisme là, hein. Petit séisme, on va envoyer... Y'a pas de Pokémon volant là? Pas de Pokémon volant, faudrait que j'ai un Pokémon qui vole dans mon équipe. Protection. Protection, c'est pas abri mais c'est déjà ça. Sonic Boom! En tout cas, je ferai plus de paris. Si vous êtes obsédé par les points de chaîne, je ne ferai plus de paris. Moi, je veux des gens normaux, hein. La pas du gain, attention. Des gens normaux, non. Mais des gens équilibrés mentalement. Aïe, ouf, des dégâts quand même. Des dégâts de type vénère, en tout cas, belle perf de Jackie ici et son séisme. C'est ma dose de vibe, mais t'es sérieux? Mais qu'est-ce que je fais? J'ai fait pour mériter ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pardon. Mais le... Ah! Vous n'êtes pas prêt de l'oublier. Oh, du coup la clé j'imagine. La clé magnétique, ah ben oui. Ah, c'est la clé magnétique, avec ça on va pouvoir rentrer dans le laboratoire. Du coup j'imagine qu'ici il y a des objets.
Ah non, c'est le laboratoire de la... Oh, bah oui, bien sûr. Bah oui, il y a des objets, du coup. C'est le laboratoire de tout à l'heure. Élixir, il y en a 3. C'est utile, mais pas vraiment, je trouve, si tu gères bien les... Si tu gères bien tes Pokémon, les PP+, etc. Si tu joues pas en strat, les élixirs et tout. Qu'est-ce que je raconte? Je veux dire, si tu... Fais attention à tes Pokémon, à la gestion de tes Pokémon, normalement les élixirs et... Tu en as pas trop besoin, à part à la ligue Pokémon. À part en fin de jeu. On peut pas soigner ses Pokémon? Non, d'accord. Du coup, il va falloir que je soigne manuellement. Le jeune. Le jeune Mentali. Ah, c'est pas là. Mille excuses. Ah oui, mais c'est là qu'on trouve... dans mon souvenir, je crois qu'on trouve Vibranymphe ici. Et Vibranymphe et Raikou, du coup. Et sûrement d'autres Pokémon. Ça peut-être pas Vibranymphe, regarde, remarque. Ça me disait quelque chose, Vibranymphe, mais... Je sais qu'il y a un Vibranymphe obscur dans le jeu, parce que j'avais la liste. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Non, c'est une sorte de labyrinthe. C'est un dédale. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Vas-y, je fais confiance à mon instinct. Un échantillon d'ADN. À quoi ça sert? Au secours! Alerte! Intrus repéré. Oh non, 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 non. Guerrier ombre Gaku. Cap humain et fouinard. Vive les donjons. C'est un donjon, tu penses? J'en ai bien peur. Pop toutes les heures, voire pas du tout, sauf si je relance le live de temps en temps, il repop. Ah ouais? Ah, c'est pas encore au point du coup. Ah, fouinard! Ah non, cap humain! Attendez, mais j'ai pas déjà capturé cet abruti du village? Bon bah, je vais faire surf alors. Faire phalopsie sur fouinard. Cap humain, un Pokémon que je n'apprécie guère. À part dans, dans le film, il est dans un film, je crois que c'est le film 3. Le souvenir, il est rigolo. Mais dans le jeu, je trouve qu'il a une tête de psychopathe. Ouf. C'est pas une simple pluie dans Pokémon Colosseum, c'est l'orage. C'est pas la danse pluie, c'est la danse orage. Normalement, Fouinard meurt, oui, 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 oui. Fouinard est KO. Jackie qui prend ses petits points d'XP bien mérités. Raymond Red, ah oui, il y a Raymond Red, mais Raymond Red option là déjà. Il fait un orage à l'intérieur du bâtiment. Bâillement. Bâillement, Rafale Psy. Après, je vais switch sur Asperge. Des bons dégâts sur Rafale Psy. Mais si là je me fais aggro, si je me fais aggro seulement aux ascenseurs, à la limite ça va. Par contre, s'ils ont 98 Pokémon. Le fameux Pokémon testicule. Combo griffe. Je vais le toucher 5 fois évidemment. Bon, ça se passera de commentaires. Ça se passera de commentaires. C'est une énorme blague. Ça se passera de commentaires. Boudoubidibou. Du coup, je fais bâillement sur ce sombre idiot. Du coup, je viens de réaliser que j'aurais pas du tout... Enfin, quoique. Tonnerre sur Morpheo, ouais, ça va pas faire des dégâts monstrueux, mais... Salut Sangoblou, comment tu vas? Mais il a une capacité spéciale qui permet de toucher 5 fois. Ah, oh non, j'y crois pas. Bon, c'est pas grave, la paralysie c'est bien aussi, mais... J'avais fait bâillement. Et du coup, je fais tonnerre, génial. Alors qu'il était typo tout à l'heure. Des bons dégâts quand même. Des bons dégâts. Bah, du coup, souplesse sur cap humain. Hein. Tonnerre sur Morpheo pour le finir. Logiquement, ça passe.
Il a pris des dégâts monstrueux là, on est d'accord. Au pire, si je loupe cap humain, on s'en fout, non? J'ai envoyé Sukune. J'ai l'impression que je prends tellement pas d'XP dans ce jeu, c'est un truc de ouf. Animation de Sukune genre. Magnifique, magnifique Pokémon. Fais Blowball, hein. Ça lui va très bien ça. Cap humain et Sukune, tu fais charge noire sur Morpheo. Et je vais sauvegarder juste après au cas où Cap humain se tue. Bon, pour l'instant, il a l'air de content de faire combo griffe à l'infini, donc. Attention, 1. 1. Oh non, pourquoi le mode hyper déjà? Du coup, ça va être de type feu, c'est ça? Chatouille. Oh. Attaque chatouille, ça fait quoi? Ça baisse la vitesse? Baisse l'attaque? Attaque, ouais. Attaque défense. C'est vrai, c'est fort en vrai. Sukune est en mode hyper. Ok, je sauvegarde. Bim, bim. C'est bon. Jackie, que vas-tu faire, Jackie? Tu vas lancer une Pokéball. Et on va lancer une Chronoball, hein, puisque c'est l'avenir, on a dit tout à l'heure. Sur Cap Humain, et Sukune, il va faire... Non, je vais l'appeler. Pour le désobscuriser. Non mais là il est paralysé, il a la vie en rouge, on va se calmer. Hein. Plus de 5 tours sont passés, si ça n'a pas changé, normalement elle est à max stats. Il n'y a plus qu'à terminer ce Morpheo, je pense. Sukune repense à ses esprits. J'aurais bien aimé arriver à Raikou. Y'a que peu de chance, on y arrivera. On aura le temps d'y arriver. Mais dès que je lui donne un ordre, il passe en mode hyper. Ville gredin. Ça fait quoi le mode hyper? En fait, il t'obéit plus. Il attaque pas, il obéit plus. Par contre, quand il est en mode hyper, tu peux l'appeler. C'est une possibilité de en plus d'attaque, objet, fuite. Tu peux appeler en fait quand il est en mode hyper. Et quand tu l'appelles, en gros, ça fait un petit peu comme si tu faisais Sukune, reprends tes esprits. Du coup, il reprend ses esprits. Ça lui fait baisser sa jauge de Pokémon obscur qui lui permet de recouvrer, retrouver ses attaques de base. En gros, c'est. Ça l'empêche de bouger. Il m'a eu, moi. Ça l'empêche de faire quoi que ce soit. Il t'écoute plus quoi. Et ça te permet de le. Ça te enlève un tour, mais ça te permet de baisser sa jauge de Pokémon obscur. Alors j'ai pris l'ascenseur de gauche. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ah, un dresseur, on peut l'esquiver hein. On peut l'esquiver lui. Oh, 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 on l'esquive. On l'esquive. Tu es Dryden, n'est-ce pas? D'après ce qu'on m'a dit, tu gênes considérablement nos plans, en garde. Et je vois qu'il y a un truc sur le bureau qui brille. Scientifique Draco. Lui, impossible de l'esquiver par contre. Il doit avoir un Pokémonstre obscur. T'as toujours été sous level. C'est le seul jeu où tu peux voler le Pokémon de ton adversaire. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est le nom est pas super... Par contre là, séisme tout de suite en fait. Séisme tout de suite et je soigne ma reste. Toujours été sous level, non. Non, c'est le jeu en fait, au bout d'un moment, il te dit non quoi. Je suis pas vraiment sous level mais... C'est un des jeux les plus durs, Pokémon les plus durs qui existent je pense. Officiel. Magnéti. On va faire séisme. Ah, c'est le dernier.
Bon bah écoutez, je refais séisme. Ah, mon Octalic est plus rapide que mon Marest. Fatal Foudre, ça touche, ça touche. Pour l'animation. Mignon. Mignon. Oh, Jackie! Jackie qui fait son taf, hein, comme d'habitude. Au revoir. Non, mais c'est bon, ça va. Bobo qui est bien tanké. Comme à son habitude, tanking. Mais arrête de nous déranger! Tu nous déranges! 1600 Poké-Dollars. Tout de même, tout de même. Ah, les Pokémon obscurs qui auront été conçus ici, tout a été transféré ailleurs. Combattez autant que vous voudrez, vous ne ferez pas échouer notre plan de Pokémon obscurs. La clé du sous-sol. Donc je pense que j'ai bien fait de passer par là. Je pense que j'ai bien fait de passer par là. Lui, je l'esquive ou je l'esquive pas? Je l'esquive, hein. Ouais, d'accord. Je ne pense pas qu'il soit détenteur de Pokémon obscurs. Intéressant. Dites-moi si je me trompe. Donc là, on est revenu en haut. La clé du sous-sol. La clé du sous-sol. La clé du sous-sol. On est arrivé ici ou pas? On est arrivé par où? Aucune idée. Non, je crois que je suis arrivé par là. J'ai aucune idée de par où je suis arrivé. On peut pas ouvrir de ce côté. Donc ça, c'est la sortie. Donc nous sommes arrivés par là. Nous sommes bien d'accord. Enfin, on est arrivé par là, non? On est arrivé par là. J'ai ensuite fait ça, ok. Donc je pense qu'on a fait le truc dans le bon ordre. Je pense qu'on a fait le truc dans le bon ordre parce que j'aimerais bien soigner mes Pokémon. J'aimerais bien soigner mes Pokémon. Ok. Quelle tragédie. Hyper potion. Mais non! C'est bon. C'est bon, tout va bien. Je suis seul à ne jamais lire l'histoire des Pokémon dans le Pokédex et à ne pas l'avoir fini. Non, il y a plein de gens qui finissent pas le Pokédex et qui lisent jamais les histoires de Pokémon, hein. T'inquiète pas. La plupart des joueurs, je pense, d'ailleurs. Voyons voir, ces données-là ne sont plus utiles, effaçons, et puis... C'est quoi ces vacarmes, vous aussi? Si vous vous dépêchez pas pour les préparatifs tech, va vous... Hein? Et vous, vous n'êtes pas du laboratoire? En fait, à chaque fois que tu parles à quelqu'un, il va t'attaquer, quoi... Il peut pas y avoir un PNJ qui est juste un dialogue, un petit dialogue sympa quoi. Dynavolt. J'ai fini celui d'épée mais je ne lis pas la description. Non, rassure-toi, il y a plein de gens qui finissent pas le Pokédex. Hein. Allez, Marest. Frustration. Frustration, c'est l'attaque retour, c'est ça? C'est l'attaque retour inversée. Le seul Pokédex que j'ai complété à 100%, c'est celui sur épée bouclier. Et je dis toujours, le Pokédex perso, c'est marrant, et les encyclopédies dans les jeux. Encore plus quand tu as... pour tous les monstres équipement personnage. Quand on a pour les équipements personnages. Des heures et des heures d'écriture. Coucou Bravely Default. C'est vrai, moi j'aime bien lire les descriptions aussi. Je le fais instinctivement quoi, je me force pas à le lire. Mais par exemple quand tu captures le Pokémon, t'as la description, t'es en mode bah tu la lis quoi. Il a quand même one shot mon Mentali alors que j'avais fait protection. Bah séisme du coup. J'appelle Suicune. Suicune. C'est un truc de fou. La jauge obscure elle est vraiment trop difficile à enlever. On peut masser les Pokémon. Mais je suis dégoûté qu'il y ait le bug de CDV là. Pourtant j'ai rien fait de mal, j'ai juste recommencé ma sauvegarde. Et je suis paralysé, quel malheur. Normalement ça devrait suffire le séisme donc voilà. Voilà. Mais non, Suicune, tout va bien. Faudrait que je dépense tous mes trucs en parfum et faire des massages à foison. Alors que je suis déjà si débordé!
Bécher, le mec qui s'appelle. Genre, yes. Vous deux, si vous ne sortez pas d'ici, Tech va vous faire souffrir. En vrai, en lui, typiquement, je lui parlais pas, ça se passait très bien. Ah, je suis pas allé chercher le disque H. Enfin, j'ai. Oh. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça sans permission. Terrible. Terrible. Mais je pense qu'on va s'arrêter. On ira chercher le disque H. Je vais soigner mes Pokémon. On va passer sur un autre truc parce que là on va devenir fou là. Mais non, le labo Pokémon. Quel enfer. Ah, en plus, j'ai perdu mon mentali. Génial. Séisme. Morsure sur 10 feuilles. Ça va pas être très efficace, mais je pense que ça le mettra peut-être à portée. Non, ça mettra pas à portée de chaos de séisme. Je me rappelle du clip quand tu avais lu la description du Ponyta de Galar. C'est vrai. Ah, c'est marrant en plus de lire les descriptions en live. Je sais même plus ce que j'avais dit, mais je sais que j'avais dit une bêtise. Sans nul doute. Boing, boing, boing. Pifeuille. Tu veux que je te le retrouve? Non, non. T'en fais pas. Séisme. Morsure sur Carvana. Pareil, je vais prendre peau dure sans doute. Après ce combat, on tente le Pokérada. Oh là, les dégâts de morsure sur Carvana. On peut tenter un Pokérada. Hein. On peut tenter un Pokérada. Et finir sur Giamonita. La triplette. Pifeuille est knockout. C'est bon, c'est fini. Par pitié, et non. Cornèbre obscur peut-être. Ou j'ai déjà capturé Cornèbre. Ah non, je t'ai pas capturé, il est là. C'est lui, c'est le démon. Le démon du village de Kiri. Qu'est-ce que je peux faire à ce monsieur? Un petit surf. Un petit surf et je vais prendre Asperge et je vais le paralyser. Ah oui, mais comme je vous dis, j'ai un problème. J'ai découvert Naruto, enfin... l'anime Naruto, j'avais jamais vraiment regardé, du coup je suis au épisode 45. Après je connais quelques trucs, j'ai déjà été spoil et tout. Mais bon, pas de tout, donc voilà. Mais Zabuza, c'est le premier méchant, meilleur personnage du jeu. Sans nul doute, le meilleur. Le meilleur. Du jeu, hein, voilà. De l'anime. Ah mais j'adore ce genre de personnage. Mon préféré dans Dragon Ball, c'est Raditz, donc à partir de là... Chronoball, c'est l'avenir. Moi, je pense que là, on a une bonne strat. Mais les openings, c'est... ouais, je suis pas très fan. Les openings, il est ok, mais je suis pas hyper fan. Aïe, 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 les chronoballs qui me trahissent. Alors que j'ai tout misé là-dessus. La charge noire qui va lui infliger des dégâts. C'est mal. Non mais oh. Il se croit tout permis celui-là. Allez, cas j'éclaire Asperge. Bien joué Asperge qui remplit son rôle parfaitement. Ouais, je vais le switch Asperge le pauvre parce qu'à chaque fois il prend pas l'XP alors qu'il fait du bon travail. Chronoball. Allez Asperge, reviens ici. On va envoyer Suicune le paralyser. Et quand on l'envoie en combat, si on regarde bien sa jauge obscure, elle descend un tout petit peu d'un pixel. 1. Mais comment ça, 1?
C'est un cornèbre quoi. Ah ouais, vraiment d'un pixel. Hein. Arrête cornèbre, tu vas mourir si tu continues. Du coup, Corbos est dans le jeu. Oui, je pense. Alors attends, Corbos. Wouah, le cri de Corbos, c'est quelque chose. Hein. Je sauvegarde. Moment stratégique afin de ne pas être embêté. Objet, tiens, lance une hyperbole. Allez, soyons dingues. Je lance une hyperbole sur Cornèbre. Le respect est mort. Je fais gros yeux. Aïe aïe aïe. Allez, viens ici, mon petit. Viens ici, mon petit. Oui, après, c'est le seul jeu où on peut capturer les Pokémon des dresseurs et c'est aussi le seul jeu où on peut pas capturer de Pokémon sauvages. À partir de là. Pim pim. Tu te débrouilles très bien pour quelqu'un de ton âge. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci madame qui a disparu d'ailleurs. Je peux me faire aggro à tous les coins de rue là. Si, je vais me faire aggro à tous les coins de rue. Échantillon d'ADN. Encore ? Lui c'est un simple... C'est un simple ouvrier qui fait son travail. Il va pas m'attaquer. Moi j'ai été engagé pour m'occuper des Pokémon et rien d'autre. Vous êtes venu pour des Pokémon? Oui. Je vois, c'est dommage. Ils ont déjà tous été transférés ailleurs, il n'en reste plus un seul. Ah, enfin! Enfin un PNJ qui a pas envie de me tuer quoi. Ah, je dépense trop en hyper potion là, ça va pas du tout. Hein. Bibu qui est encore KO là. Bibu c'est pas bien ça. Attendez, j'ai récupéré quoi là? J'ai rien récupéré du tout. Alors deux chemins s'offrent à moi. Ah ok, j'arrête. Après ce fight, promis j'arrête. Je vais soigner mes Pokémon et on passe sur le Poké Radar de l'angoisse. Infect Tilton. Là c'est des Pokémon relous. Normalement Surf Raphalopsy c'est un bon combo. Trou. Enfin check TMP, il est insane. Ah bon? Ah mais ça va faire bizarre de revoir le vieux live. Bon je vais le regarder. À la quand pour la transition passage de Pokémon Colosseum à Pokémon Platine on va le regarder. Obscur n'est-ce pas? Eh oui. Forêtress, le meilleur Pokémon du game. Boing. Nosferalti. Le Pokémon le mieux animé du jeu. Sans... En toute honnêteté. Si je fais surf, ça se passe. Oui. Oui. De toute façon, on peut re-rencontrer les gens. Aïe. Il va prendre les full dégâts. Il va prendre les full dégâts. Le fort retraite, j'ai peur. Mais normalement, si c'est un Pokémon qui encaisse, ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. C'est pas le surf de Jackie. Il va l'anéantir. Non, très bien. Mon cher Jackie, tu vas faire donc bâillement sur ce monsieur. Toi, tu vas faire... Oh, quoique. Je sens qu'on va vivre des moments... On va faire ça. On va faire ça. On va appeler Asperge qui a un PV. J'espère qu'il va pas viser Mentally. Enfin je sais plus en fait. Mais non mais Corbos est pas dans le jeu. Puisqu'il est pas 3G Corbos. Et s'il a visé Asperge, quelle tragédie. Il est pas 3G Corbos, il est 4G. Ça c'est un jeu 3G au Pokémon Colosseum, Corbos n'existait pas. Si je dis pas de bêtises. Mais Asperge qui a quand même fait son travail. Parce qu'Asperge il a l'esprit shonen, il est fabuleux. Avant de mourir, je remplirai tout de même mon rôle.
Asperge, le meilleur Pokémon de l'équipe. Ok. Ça fait deux fois qu'il fait le coup, hein. Exceptionnel. Hyperbole. Allez, hyperbole, ça suffit maintenant. Je t'appelle. Voilà. Ah oui, mais appeler, ça sert à ça en fait. Ça sert à rien faire. Aussi. Est-ce que ça augmente le bonheur de ton Pokémon? Je sais pas. Point, point. Je dis que j'ai arrêté. Quelle force! Je dis que j'ai arrêté Colosseum. Sinon, on va enchaîner les combats à l'infini. Je regarde juste, promis, je regarde juste ce qu'il y a en bas de l'ascenseur. Mais je sais qu'on est proche de Raikou. Ah, ça m'énerve! Non. Bon, ok, on fait celui-là. Mais en fait, ils sont vraiment à tous les coins de rue, ces mecs. En plus, mon équipe, elle est à moitié morte, là. Ça va pas du tout. Je vais capturer le forteresse de pierre. Migalos. Bah, allez, on va se faire le petit Migalos dans la filet de bol. Petit Migalos filet de bol, voilà. Normalement, ça devrait mourir, là. J'envoie Sukune, hein, voilà. Ça me permet de le travailler pour le rendre plus heureux. Oh, c'est quoi cette animation ignoble? Oh non, Sukune, mais non! Tu devais vivre, Sukune! Ça me fait de la peine. Allez, surf, mon petit Jackie, vas-y. Tu tues Rhinocorne et tu laisses Migalos midlife, s'il te plaît. Si tu peux faire ça, c'est cool. Nickel, première partie du contrat, nickel. Midlife? Ah non, d'accord. Bonne défense spéciale de Migalos. Masco. Surf. Morsure sur Masco. Mais ah non, ma reste est mort. Faut que je le switch tout de suite. Masco, incroyable. Incroyable modèle 3D de Masco. Oh, j'ai rien dit. C'est pas Nosferalti le Pokémon le mieux animé du jeu, c'est Masco. Cette animation est vraiment fabuleusement ignoble. Également. Et du coup, on a plus Asperge. Et ça... Ça va pas du tout. Toi, il faut que tu sortes, hein, je suis désolé, mais... on a plus Asperge, ça va être compliqué. Il va falloir la soigner, je pense. On fait ce qu'on peut, hein. Oui, il tank parce que c'était pas giga sensu, c'était méga sensu. Donc ça tape à 40 et Masco... doit pas avoir de V. En tout cas, magnifique. Bombe Burk. Boing. C'est quoi ça? C'est un coup critique? Ok, on se calme. Hein. Entei, objet. J'ai plus de rappel, si. Si j'en ai un seul, oulala. Bobo. Objet également. Hyper potion. Et tout va se jouer avec Asperge et Entei, je pense. Bon, là, il faut que je tente la bomber ou que je l'encaisse tout simplement. Voilà. Bon, parfait. Au moins, j'aurai pas à switch. Directement envoyer l'Asperge. On va faire cage éclair into hyperbole. Et normalement, on sera bon. Entei, charge noire, non pas du tout. On va faire hyperbole, on a plus le temps. Et cage éclair.
qui est triste, c'est qu'il va envoyer l'hyperbole avant. Mais il est quand même midlife, c'est une hyperbole. Je dis une chance sur deux, quoi. Incroyable. Incroyable. Bon, maintenant, on dégage de là. Vraiment très fort. Oh non. 8720 Pokédolls. Donc on se fuit, on se casse. C'est par là ou pas? Oui, c'est par là. Si la paralysie augmente le taux de capture. Je suis quasiment sûr. J'avance pas, je me déplace pas. Je vais... je retourne simplement sur mes pas. J'ai des trucs que j'ai pas visités, je le sais. J'en suis conscient. En tout cas, il y a quoi après le labo Pokémon? C'est la fin du jeu, non? C'est la fin du game? Je crois que c'est la fin de labo Pokémon. Hein. Il me semble. Alors, où est-ce qu'il y a un centre Pokémon proche de l'entrée du village, de l'entrée d'un truc? Là. On va voir si nos Pokémon sont shiny. J'ai aucun doute là-dessus. Aucun. Absolument aucun. Ça c'est fait. Merci beaucoup. Au revoir madame. Au revoir. Merci à tous. Et donc là, on check les Pokémon qui sont shiny ou pas. On a été arrêté ici. Pitié qu'il n'y a plus même pas shiny. Pas shiny. Pas shiny. Pas shiny. Pas shiny. Ok. On n'a pas énormément de choix, n'empêche, tant que les Pokémon à capturer, il n'y en a pas beaucoup dans le jeu. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup et à la fois non. Après, les captures sont relativement difficiles, donc ça prend du temps. Point, 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 la point. Lui. Salut mon gars, t'es en vadrouille? Acheter. Des hyperboles en pagaille. Je crois qu'on a acheté que 15. Oh là là. Je peux forcément vendre des trucs, c'est pas possible. Ah, j'avais dit que je chopais dans une filet ball. J'ai menti. En vrai, il faut que j'utilise, que je prenne que les hyperboles maintenant, je m'en fiche. Les rappels hyper potions, c'est où? C'est où qu'on trouve tout ça? Peut-être vendre des CT. Ah oui, il faut que je récupère le disque D. Attendez, je vais le faire ça. Je vais faire d'une pierre deux coups. Le disque D, il faut que c'est Asuereb. Asuereb, je sais pas comment on dit. Ah mince. Erreur. Ouais, c'est censé être mieux pour le dodo et le gel, ouais. Après, dodo, je le fais avec Baiman tout à l'heure. Le mec est endormi. Cela n'a aucun effet. Enfin, ça a eu de l'effet, mais on n'a pas vu vraiment la différence, quoi. Donc là, c'est normalement, si je mets le disque H, il va aller à gauche. Récupérer le truc. Disque H. Oui, monsieur. Oui. Veuillez monter à bord, s'il vous plaît. Ah non? What? On s'est envolé? Qu'est-ce qui se passe? What? Ah bah, il y a un objet aussi, mais... Ah, la fuite du temps! MDR. Attendez, on va l'utiliser sur... Est-ce qu'elle va marcher la flûte du temps, est-ce qu'elle va marcher? Et oui, je me suis dit H, ça veut dire O. Mais du coup, on n'a pas le disque G. Je sais pas où il est le disque G.
Quel enfer cette cinématique. Est-ce que la flûte du temps va marcher? Ou est-ce que ça va toujours bugger? Comme ça je peux désobscurantiser Sukune. Après Marest il est très fort parce qu'il a séisme et surf. Donc est-ce que c'est bien intéressant de désobscurantiser Sukune? Je sais pas. Par contre Entei, Je la garde. J'utiliserai sur Raikou peut-être, Raikou Cage Éclair notamment. Si Raikou à Cage Éclair parce que... Je voulais faire quoi? Ah oui, aller dans un magasin. Si c'est un magasin. Ah, est-ce que je peux vendre des trucs ici? Bonjour et bienvenue à la boutique Pokémon. Est-ce que je peux vendre... Non, pas vendre des Master Ball. Attraction, tiens, c'est cadeau. Et j'ai pas grand chose à vendre, hein. Ça. Alors si je veux acheter... Pierre potion. J'aime pas beaucoup, hein. Vraiment pas beaucoup. Écoute, on va s'en tirer. On va s'en sortir avec ça. Je me sauvegarde ici, même si c'est pas là que je continue. Le jeu. Et boing. Ok.